Vous regardez ETV. Ces scènes d'émeutes se déroulent à 1h30 d'avion de la Guadeloupe. Depuis le début du mois de février, Haïti subit sa 4e vague de violence en moins d'un an. Une mobilisation contre la corruption qui réclame massivement la démission du président Jovenel Moïse. Face aux pénuries et à l'enfermement imposé par la situation, cette Française installée en Haïti a rejoint notre archipel en attendant le retour au calme. Nous, on avait un barrage à 100 mètres en bas de chez nous et à 100 mètres en haut de chez nous. Donc, c'est des petits barrages avec ce qu'il y a, des bouts de bois. On avait des obligations de ne pas sortir. On est en confinement, on ne sort pas. En tout cas, on limite au maximum nos déplacements non essentiels. On s'est dit qu'on pouvait tenir une semaine. Et puis, bon, au bout du 10e jour, quand même, quand on a vu que l'ambassade des États-Unis évacuait ses staffs non essentiels, que plusieurs ONG évacuaient leur staff non essentiel, des grosses ONG, des grosses boîtes, donc s'évacuaient sur des pays limitrophes hein, pour pouvoir se redéployer rapidement. Et il a été décidé avec ma collègue de nous envoyer dans un endroit proche, donc la Guadeloupe. C'est une situation très stressante parce qu'on vit un enfermement. Et un enfermement, c'est un risque, un risque d'épuisement physique et psychique. Depuis quelques jours, la situation revient peu à peu à la normale dans le pays. Louise devrait retourner en Haïti dans les jours qui viennent.